que Jamal Murray devait être suspendu. Parce que tout le monde dit que Jamal Murray devait être suspendu normalement. Moi, pour moi, oui. Mais bon, ils l'ont pas suspendu, qu'est-ce que je te dis? Pour moi, oui, il a jeté une poche de glace, il a jeté un truc, et Patrick Beverley a été suspendu 4 matchs pour avoir justement balancé le truc sur le terrain. Donc ouais, je pense qu'il aurait dû être suspendu, mais bon, il a pas été suspendu, donc ils font ce qu'ils veulent. Hein. Gars, on va pas pleurer, gars. Ok, guys. KCP, boum! Boum, 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 boum! Ah, il le boum parce qu'il a jeté, ok. And one, ok, agressive early. Je sais pas si vous avez vu, il y a un poste de KD qui est passé il y a pas longtemps et qui parlait de comment il fait pour scorer. Et qui parlait qu'en début de match, il essayait toujours de trouver des paniers faciles. Damn, Carl Anthony Towns? Damn! Carl Senior courtside, as they always do. Murray off the screen. Bonne passe. Hey! Let's go, boy. Dedans. Oh. Ah ouais, genre. Michael never passed the ball. Michael Porter Jr. never swing the rush. Il fait pas de passe, lui. Oh. Mais il avait bien fait le slow step en plus. Let's go, Giddy Gobert. Les gars, je sais pas si vous aviez vu. T'as vraiment le bout, vraiment tout le match. Je sais pas si vous avez vu. Jimmy Arenas, il a parlé de Giddy Gobert. Il a dit que. Ouais, c'est un ouf, il rate un match de playoff parce qu'il. Il rate un match de playoff parce qu'il a un enfant. Mais c'est un ouf, Jimmy Arenas. Je crois que basket, c'est la. Il y a que ça dans la life ou quoi? Là, Gobert, il a totalement raison d'aller à la naissance de sa fille ou son fils, je sais plus. Mais il a complètement raison. Je crois que. Les gens, ils pensent que le basket, c'est la finalité de la life. Tu vas mourir à bout d'un moment. Arrête le bouer, Murray, il est en train de tuer là. Parce que le premier quartier, il a déjà mis je sais pas combien de 10 points, moi. Oh, Michael Porter, il a fait une passe. Ah, j'avoue, c'est une bonne célébration ça. Le finish. Murray sprays it out to the baseline. Holiday knocks down another long J off the Gordon screen. Cash. Towns was in a drop. Tough. And Murray drops the long jumper. Oh, celui-là, il est en train de les bousiller là. Après, comme je l'ai dit, hein, j'avais dit dans la vidéo précédente. Enfin, non, dans une réaction précédente. Que gros, Murray, il avait un mauvais match. Hein. Donc, s'il avait un bon match, bon, ça allait pas être pareil hein, pour Minnesota. Parce que les deux matchs qu'il a fait, Murray, il a été dégueulasse. Edwards. Là, Jokic, je sais pas s'il veut pas faire de faute ou s'il veut pas défendre. Bonne passe. Tu peux pas double Jokic, arrêtez les gars. Ou overhelp. Tough. Bonne passe. Dedans. Oh, good deal. Edwards pop the ref. Yeah, ils sont en train de tuer là, plus 16. Connelly pulls the three. Cash. Make it 13. Timeout Denver. Bonne passe, Tomasa. Ouais, il a glissé ou quoi? Michael Porter Jr. up to 12 tonight. Ouais. Luke, il fait trop et dit, ah, bah vous allez me laisser ça, ok. Ok. Jamal Murray. Ouh, good easy. Ah. And that's the cash out. That's the cash out. Edwards got Murray on the switch. Goody, goody. Nice speed inside. Alexander Walker with the slam. Il a failli plancher ça. Bonne passe. Ouh là, le jeu d'équipe. Le jeu d'équipe. La patience et le jeu d'équipe là. In transition, out to Towns. Dedans. Ah non, ils vont gagner. Plus bas. De toute façon, ils ont gagné déjà. Pourquoi je dis qu'ils vont gagner? J'ai vu le résultat déjà. Je sais pas l'autre match qu'il y avait aujourd'hui. J'ai pas vu ça. Voilà. La Caldwell Pope, c'est vraiment une bonne piste pour eux. Je sais pas pour les Lakers, mais c'est parti. Dedans.
Ils vont revenir ou pas? Oh là 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 là, c'est tough. Tough. Jamal Murray. Interesting to see Edwards pick up Jamal Murray on that sequence. He's tough, man. Who had a big first half in game two with that jumper. Towns around the Gobert screen. Great pass inside. And Gobert with the flush. Murray around the court. Murray inside. Springs it out to KCP. One more to wide open court. Everybody got a touch. Everybody, ah, ça y est, c'est fini. Everybody got a touch, everybody eat. Porter Jr. with space, butter. Porter Jr. il est trop fort, j'aime trop son jumper. Run some pistol, Conley, McDaniel slams it home. Michael Porter Jr. Oui. De campeurs qui n'ont pas réussi à visionner un tuto tente. Ah si si, on a la 5G Bouygues Télécom. C'est juste qu'il est têtu quoi. Streamez partout en France avec la 4 et 5G Bouygues Télécom. I love that approach from Mike Conley. He definitely has that look in his eye. He takes it home with him. And right now he's just trying to figure out a way to get this crowd going. Oh, tough. Run going to Minnesota. Tough. And on cue legs, he knocks down the step back three. Non, c'est bon. Putain, c'est bizarre ces playoffs. Hein. Tout le monde perd à domicile, genre. C'est pas, je sais pas, t'as pas l'impression d'avantage du terrain, c'est grand chose. At 8 a.m. in wake of the win in game two and said, I want a couple of guys to do some extra shooting. Wesh, il a envoyé à la musique. To keep our foot on the gas. Hey, il a fini où? Regardez où il a fini. We need to keep our foot on the gas. Il a fini à la musique, gros. Switch with Porter Jr. onto him. Got downhill with the left hand. Incroyable. Oh, mid-air pyrotechnics. J'ai entendu un truc comme quoi, genre les Denver ils jouent sans système, genre ils jouent comme ça, genre c'est automatique leur jeu. Ouh, bonne passe. Float game good over Towns. Jokic has scored the last six. Throws it up for Gordon, embracing his bounce. Ouais, c'est fini, plus 30. Nas oui, faut que tu y caches. Murray off the Joker screen. Oh la la. Oh la 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 la. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Tim just seems to be moving a little more freely in their offensive flow this night. And Joker with another bucket. Alexander Walker goes underneath the screen. Now fights over this next one. Got to contest but too late. Says Reggie Jackson. For Minnesota they expected to take control and put Denver on the brink. Maybe a bright light. Ouais, c'est fini, c'est fini, c'est fini, les gars. Trois toi. Aïe, aïe. Attends. Juste envie de voir où est-ce qu'il aurait pu faire la passe. Non, là, il était bloqué. Ouais, il était bloqué. C'est pour ça qu'il faut toujours un mec. Vous avez vu, vous voyez où il est Michael Porter, il est trop proche de l'autre. Donc, il peut pas. Il faut qu'il remonte. C'est ça, quand on dit quand on drive, il faut qu'il remonte. S'il remonte vers le milieu, Jalen McDaniel, il va devoir faire un choix entre eux. KCP et Michael Porter, tu vois. Mais là, vu qu'ils sont tous les deux à côté, il peut gérer les deux. C'est pour ça, c'est grave important le spacing, les gars. Donc là, il est mort, bah oui, parce que normalement, Michael Porter, il doit être vers le haut de la raquette. Enfin, plus haut de la raquette, quoi. Ou sinon, au pire des cas, il doit couper. Voilà, c'est fini. McDaniel in a foot race, punched it over Brown for the bucket. They could have used more of that in the first half. Murray threads the jumper at the other end, relieving the pressure. Dedans. Porter Jr. from deep. Boom. Laces a three ball. Là, c'est devenu quiet. They are right now because you're playing with a big lead and they're coming one pass up the floor and shooting a three, just getting into their offense and not going to change their aggressiveness. Joker. I got you, push that. Oh. Joker missed it, tipped it home. And bon, c'était tout pour aujourd'hui les gars, je vais aller grailler là. Et ensuite je dois aller m'entraîner avec mon petit frère. Il y a une vidéo qui va sortir je pense demain. Putain mais pourquoi je me gratte comme ça. Sur ma chaîne YouTube principale, il y a une vidéo qui va sortir demain. Sur un entraînement que j'ai fait avec mon petit frère hier. Donc voilà, je le prépare pour qu'il se prépare à la NBA. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. I'm out guys. C'était tout pour aujourd'hui, un bon petit stream de 45 minutes. Donc voilà, j'essaierai de streamer quand j'ai le temps, mais généralement le samedi soir
ou le samedi soir, ou le dimanche soir. Ok? Vas-y les gars, on s'attrape.